Saint-Étienne hors cadre est la mobilisation de tous les acteurs créatifs et culturels de Saint-Étienne. Venez découvrir sa diversité. Venez découvrir Saint-Étienne comme vous ne la connaissez pas. Nous avons connu des périodes fastes, de grands succès industriels, et puis des périodes plus difficiles. Mais Saint-Étienne a toujours su se reconstruire, notamment grâce à une offre culturelle et créative extrêmement dense. Bien sûr, la Biennale internationale du design est son porte-drapeau au niveau international. Mais venez, lors d'une journée, d'un week-end, découvrir de l'intérieur les ateliers des designers. Venez découvrir son opéra, ses festivals, son théâtre. Venez découvrir ses salles de musique actuelle. À Saint-Étienne, nous avons la chance d'avoir une multitude d'événements qui sont là pour porter haut l'image de la ville. Le festival Parole et Musique que je représente existe déjà depuis 28 ans, qui était très centré sur la chanson à ses débuts, mais qui s'est, au fil du temps, élargi vers d'autres musiques. Notre envie aussi sur le festival, c'est de porter l'image de Saint-Étienne d'une manière différente, parce que cette ville est riche, cette ville a vraiment beaucoup de talents à faire ressortir, aussi bien dans les musiciens que dans ceux qui portent les projets. On a beaucoup de festivals qui sont dans cette énergie-là, comme Positive Education, comme les Arts Burlesques, comme Trax. Et je crois que c'est à nous, acteurs de terrain, qui sommes pour la plupart nés ici, de changer cette image de la ville. Nous, nous sommes persuadés que Saint-Étienne regorge de talents, et c'est à nous de le faire savoir vers l'extérieur. Le spectacle vivant, ça se vit au quotidien à Saint-Étienne. Des vedettes internationales aux pépites montantes, c'est vraiment une ruche créative. Le visiteur a la chance de pouvoir découvrir vraiment une multitude de scènes musicales avec vraiment une foisonnance de talents. Alors venez à Saint-Étienne. Alors la particularité des musées et des sites patrimoniaux stéphanois, c'est leur fort ancrage dans l'histoire industrielle de la ville. Et c'est en regardant ces musées, en visitant, en regardant leurs collections, en arpentant tous ces lieux, qu'on arrive à comprendre cette ville d'aujourd'hui. Parce qu'elle porte en son histoire cette innovation, et cette innovation est encore extrêmement présente aujourd'hui à travers... Par exemple, le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui continue à porter des artistes d'aujourd'hui, des artistes contemporains et des artistes de demain. Le territoire stéphanois a la chance d'avoir des équipements culturels d'une très grande qualité qui associent à la fois le plaisir d'une programmation avec une très grande accessibilité des prix. Ce sont souvent des équipements de création, comme la Comédie de Saint-Étienne, qui est un centre dramatique national, une école supérieure d'art dramatique, ou l'Opéra de Saint-Étienne, qui ont en commun le fait d'avoir leurs propres ateliers de construction de costumes, de décors, et donc de pouvoir créer ici des spectacles qui partiront ensuite en tournée le plus loin et le plus longtemps possible. Par ailleurs, on trouve aussi tout un tas de petits théâtres avec des grands guillemets, car ce sont des théâtres qui ont une très belle qualité aussi et qui sont dans la droite philosophie de Jean Dasté, pour qui le fait d'aller à la rencontre de tous les publics était l'ADN de sa volonté artistique et politique, avec ce très beau slogan « un par un et un plus un ». Saint-Étienne est identifié au niveau national et international sur le plan du design. C'est la seule ville française membre du réseau des villes design créatives UNESCO. Le visiteur peut non seulement s'immerger dans la Biennale internationale du design tous les deux ans, mais aussi au sein de la Cité du design découvrir les expositions du Musée d'art moderne et contemporain. C'est ce qui constitue réellement les racines stéphanoises et son ancrage profond dans le design. Cette expérience, le visiteur peut aussi la vivre au travers d'ateliers proposés par les designers du territoire, qui sont de plus en plus nombreux et qui permettent de vivre l'expérience de l'intérieur. Venez donc faire un pas de côté pour découvrir la richesse culturelle de Saint-Étienne. Vous découvrirez une programmation extrêmement dense, extrêmement riche, qui vous fera découvrir Saint-Étienne de l'intérieur. Saint-Étienne hors cadre, c'est Saint-Étienne comme vous ne la connaissez pas.